Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc je vais reprendre là où j'en étais, bien sûr avec mes produits terminés. Oh, le temps se couvre, mais à mort là chez nous. Hein. Je ne sais même pas si je vais être obligée d'allumer la lumière. Bref, on va voir ce que ça donne. Hein. Je passe sur un comment encore sur une comment ça s'appelle sur un masque là c'est au citron lemon donc c'était au citron j'ai bien approuvé aussi super nickel vous l'étalez vous attendez et ensuite vous rincez voilà ou alors même pas vous rincez pas vous enlevez ce qui reste et puis c'est tout voilà donc ensuite là je passe sur un comment Elisa Jones. Ça c'est sur un masque aussi, je pense que ça vient de chez Action, si je me trompe pas, bien sûr. Ensuite là, c'est encore un masque d'Elo que je vous avais montré dans la première partie, voilà, très bien approuvé d'ailleurs. Ensuite je passe sur un petit flacon comme ça. Alors ça c'est comment dire ça? C'est un petit flacon d'Yves Rocher. Ce sont sur les arrivages de Noël, vous savez. Voilà, donc moi j'ai bien aimé. Surtout l'odeur, ça a une odeur un petit peu très envoûtante. Voilà. Ça sent les fêtes et tout. Moi j'aime bien, vraiment. Sur une petite dose de 50 ml. Voilà, j'ai bien aimé. Sous la douche, c'était vraiment agréable. Ouais, sous la douche, hein, pas en bain. Ensuite, là, je passe sur un eyeliner Max & More. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, extraordinaire. Voilà. Donc, voilà. Il fait juste son petit tracé vraiment flou. Voilà, il est pas si perfectionné que ça. Mais bon, c'est sans plus. Mais bon, il a fait quand même un peu son job. Voilà, c'est sans plus quand même. Voilà, ensuite je passe à 3 en 1 Axe Sport Diffra et donc 250 ml. Je vais pas tout vous dire ce qui est marqué dessus, mais bon voilà quoi. On clique là, je crois. Oui, voilà. Et donc l'odeur est très agréable. Hein. Voilà, je pense que ça c'était à un de mes garçons, je pense. Je sais même plus d'ailleurs si c'était à un de mes garçons ou alors à mon mari. Voilà, c'est un 3 en 1, alors un 3 en 1 qui fait, à mon avis, 3 en 1. Alors, ça doit faire corps, cheveux et visage. Voilà, ensuite, je passe. Alors ça, j'avais pris, c'est comment? L'Oréal, Color L'Oréal, de la marque L'Oréal. Donc, c'était un spray comme ça pour se colorer un peu les cheveux, comme ça, ça part très vite, hein. Vous voyez, c'était juste comme ça à la base. Vous voyez, hop, vous secouez, vous en mettez un petit peu. Et puis voilà, ça fait un peu. Voilà quoi. Et donc là, je passe sur un. Comment? Une crème pour le corps. C'est sans plus. L'application, elle n'est pas fortiche-fortiche. Hein. C'était pas facile l'application. Voilà. Mais bon. Voilà. Il en reste un petit peu, je n'ai pas tout à fait continué. Donc Là, voilà, je voilà. voulais vous parler de cette crème. Parce que j'avoue, je vous ai parlé aussi d'un produit que j'ai terminé de la même marque tout à l'heure que je vous ai montré dans la première partie de mes produits terminés. C'est une eau micellaire. Ça, je l'ai approuvée. Je n'ai pas eu d'allergie. Je ne sais pas pourquoi. En plus, c'est de la marque vegan, des produits vegan. Et là aussi, des produits vegan. C'est dans le même lot. Donc, j'avais pris ça chez Lidl. À l'aloe vera de la marque Cyan, baume botanique 3 en 1. Donc, voilà, comme ceci, il y en a plein. L'odeur, elle est vraiment top. Sa texture, elle est non grasse, c'est frais, très frais. L'application, elle est vraiment chouette, mais alors je fais de l'allergie. Il m'est impossible de pouvoir la mettre. Il suffit que je la mette, j'attrape des boutons de, comme pas des boutons de fièvre, mais des boutons comme comment, des boutons rouges et qui me font très mal. Donc je peux pas supporter. Donc quand mon mari a vu ça, moi aussi, hein, quand j'ai vu ça, j'ai fait un scandale. Donc là vraiment, et puis j'ai pas osé me montrer, hein, nulle part d'ailleurs. Donc mine de rien, c'était ici, après c'était là. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est là. Non, non, mais là, mon mari a dit, mais ça, c'est une crème que tu dois te mettre soit le soir ou le jour. Et c'était bien celle-ci.
C'est un peu dommage parce que quand même, elle a une odeur vraiment très intéressante, quoi. Ensuite, je passe alors à des cotons comme ceci, hein, qui viennent de chez Action. J'approuve. Voilà. Ça, c'est une crème que j'ai pas vraiment terminée. C'est pas une crème, c'est un masque de nuit. Vous le posez la nuit, sans rinçage, hein, sans rien. Vous le posez, vous dormez avec. Éclat d'abricot, un masque de nuit, réveil bonne mine. Donc, je l'ai utilisé quand même assez, mais je l'ai arrêté parce que je voyais que je l'utilisais plus et j'allais pas garder quelque chose que je gardais assez longtemps. Donc c'était le petit marseillais et j'en me suis pas plaint du tout, pas d'allergie, et c'est une 50 ml. Voilà. Donc ensuite, ça vient de chez Action, hein. Donc ça, ce sont des petites c'est un eau de parfum, je crois. Eau de parfum 100 ml. Donc j'en mettais simplement le soir au coucher, hein. Voilà, une petite note ici sur les voilà. Et j'en mettais juste un petit peu, hein, juste pour me coucher le soir, mais pas pour sortir, ça ne reste pas. Donc on est sûr, hein. Ensuite, ça c'est une huile de ricin. Alors elle était très bien, j'en mettais sur ma longueur de cheveux, j'en mettais aussi sur mes ongles. Voilà. Donc j'ai bien aimé. Ça c'était Oula, je prenais ça, c'est dans le magasin Nuko qui a fermé ses portes il y a très longtemps déjà. Donc je gardais ça depuis un moment déjà. Bon, c'est vrai que je l'ai terminé il y a très peu de temps, mais c'est vrai que voilà quoi. Ensuite, j'ai terminé d'Yves Rocher. C'était une crème sébo végétal, gel crème zéro défaut. Voilà, gel zéro défaut. Donc je l'ai bien approuvé. Ah ouais, très bien approuvé. L'odeur, elle est vraiment, vraiment sympatoche, hein, vraiment. Il y a longtemps que je ne suis pas allée, je n'ai pas commandé chez Yves Rocher. Je n'irai plus commander chez Yves Rocher pour des raisons, parce que je me suis fait avoir, etc. Ah, maintenant, ce que je vais faire, c'est me déplacer. Voilà. C'est le seul truc que je ferai. Je me déplacerai pour aller m'acheter ce que je veux. Voilà. Donc, à la base, j'approuve 100%. Ensuite, tiens, comment ça, qu'est-ce que ça fait là, ça? Ça, c'est ma fille. Eh oui, elle l'a abîmé. Et donc, ouais, voilà. Et ça, c'est super. Pourtant, il était très joli. Voyez, je l'ai à peine utilisé. Et ça, c'est ma Juju qui me l'a complètement bousillé. En plus, c'est de la marque Essence que j'aime. Voilà, je kiffe la marque Essence. Voilà, et donc, je la remercie, hein. Elle a dû me le cacher que je ne savais pas. Je lui en parlerai tout à l'heure, hein. Ah, je ne croyais pas comme ça, mais vous voyez, hein. Les enfants, c'est comme ça. Ça cache tout, et à un moment donné, voilà. Ça, c'est comme dans les placards. Je vais vous raconter un truc. On achète des gâteaux, on achète des goûters, c'est le goûter pour le 4 heures, etc. Tout le monde aime bien faire un goûter à la maison. Et quand il y a le moment du goûter, ou même du lait entamé dans le frigérateur, vous allez. Lol! Une fois entamé, il n'y en a plus du tout. On se demande qui l'a bu. Alors on va voir les garçons, qui a bu le lait? Qui a mangé ceci? Qui a entamé les gâteaux? Qui a fait ceci? Qui a fait cela? Ce n'est pas moi. Oh, c'est Julie. Non, c'est Christopher. Oh, ben non, c'est... voilà. Alors, tantôt c'est Nicolas, tantôt c'est Christopher, tantôt c'est ma Juju, mais bon, personne ne veut dire qui c'est. Alors, pour sûr, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on leur prend le portable. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Et après, ils se dénoncent. Mais bon, c'est une partie de rigolade quand même, hein. Bref, passons outre. Je passe à un fard. Donc, terminé, j'ai bien aimé. Alors, qu'est-ce qui est très bien pour ce fard? C'est que vous prenez un pinceau, vous humidifiez le pinceau. Et ensuite, je rigole moi-même. Vous le mettez à l'intérieur et vous mettez la matière. Voilà. Voilà, lol. Je passe. Voilà, ensuite je passe sur un mascara de la marque. Ça vient de chez Action, Max & More. Je l'ai payé il y a très peu de temps.
Et voilà quoi, c'est nul, voilà. Puis sa brosse, je l'aime pas, elle est nulle. Et le mascara est tout asséché. C'est nul, je sais pas, mais comme ça. Ensuite, je passe aussi à un eyeliner. Alors la marque s'est barrée un petit peu, je crois. Ouais, elle s'est barrée, elle est un petit peu là, mais bon, bref. C'est une couleur un peu marron. C'est vrai que ça donne un tracé quand même encore. Mais simplement pour vous dire que j'aime pas trop. Voilà ce que ça donne. C'est vrai que j'aime pas trop. Voilà. Mais bon, j'aime pas beaucoup. Et donc, il va à la poubelle. Ensuite, on a des petites doses comme ça de parfum. Vous voyez, les petites doses, vous les connaissez. C'est dans des petites boîtes comme ça. Voilà, donc c'était très sympa. L'odeur, moi, j'ai bien aimé. Voilà, c'est sans plus. Hein, ça reste pas juste pour la nuit comme ça à porter. Voilà, celle-ci aussi, j'ai beaucoup aimé. Le contenu est un petit peu de couleur violet et l'odeur, j'ai vraiment, c'est très intense. Vraiment, ça sent très bon. Voilà. Vraiment, j'ai bien aimé. Même celle-ci, j'ai bien aimé. Encore, il en reste une petite goutte. Vous voyez là? C'est un petit peu rose à l'intérieur. Et c'est vrai qu'ils ont des bonnes odeurs. Vraiment, au coucher comme ça, c'est super. Voilà. C'est agréable quand même. Voilà. Bon, après, bon, bien sûr, ça reste pas. Hein. Voilà. Donc, ensuite, je passe sur la marque Diadermine. C'est un super contour. Gel pour les yeux. Effet Punch Up et Lift. Voilà. Donc, à ce qu'ils nous disent à l'arrière, je ne sais pas si je vais y voir quelque chose. Deux actions anti-âge, voilà, puissante, qui agit au niveau du contour des yeux. Ensuite, j'ai les mains qui sont... j'ai intérêt de me laver les mains. À ce qu'ils nous disent, c'est l'acide hyaluronique, lisse les ridules et les pattes doigts. Ah, les pattes doigts. Ah ouais, lol, les pattes doigts qu'on peut avoir sur les côtés, là. Bref, j'en dis pas plus, voilà. Mais bon, j'ai approuvé, super. Voilà. Ensuite, je vais passer sur, sur un baume à lèvres, voilà. Banane. Mais j'aime pas. Voilà, banana. Donc, j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc, poubelle. Ensuite, je passe. Alors, ça aussi, c'est une crème main concentrée réparatrice intense. SOS main sèche à extra sèche. Voilà, et abîmée. Voilà, quand arrive l'hiver, moi, ce qui m'arrive très souvent, c'est quand je suis au froid. Je suis obligée de soit porter des gants, mais quand je m'aime, le froid passe à travers les gants. Mais je suis obligée de bien les hydrater, parce qu'ils sont... Moi, j'ai la peau très sèche. Voilà. Sèche, mais très sèche. Voilà. Et très sensible aussi. Donc, à la base, voilà. Ça, c'était très efficace. Ça faisait 1,50 ml et j'ai bien approuvé. Voilà. Il m'en reste quand même un tout petit peu, mais bon, à la base, je l'ai laissé. Hein. Voilà. Ensuite, ça, c'était à un des garçons, donc de la marque Cyan. Voilà, donc 48 heures. Voilà, 48 heures, c'est un déo bille. Ils ont bien approuvé. Voilà. Ensuite, je vais passer, alors, encore une petite bouteille hein, de collection. Voilà, voilà. Moi, j'ai bien approuvé ces petites odeurs comme ça, vraiment très sympatoches. Vraiment. Oh, ça sent bon. J'adore, moi j'aime bien. Alors, quand je m'en mets le soir, c'est pas une petite bouffée là, ici. C'est... voilà, j'en mets partout. Voilà, j'en mets... voilà. Alors ça, je l'ai foutu à la poubelle. C'est une base. Une base qui a complètement... voilà, chassé. Voilà, complètement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'en sais rien. Et pour finir, je vais finir avec trois petites choses. Donc là, j'ai fini... comment ça s'appelle chez Sephora. Ce sont des petites pastilles effervescentes. Et ça sent trop bon.
à mettre dans le bain. Et je peux vous dire qu'ils ont une odeur vraiment mortelle. Vraiment, c'est sympatoche. Là, je passe sur un crayon de la marque Catrice Cosmétique Waterproof. Donc là aussi, utilisé. Il était de cette couleur-là. Voilà. J'ai bien aimé. Ça faisait un petit peu métallique. Et là, ça vient de chez Sephora. C'était un max vitamine fruit du dragon. Voilà, j'ai bien aimé aussi. Voilà, j'ai pas fait d'allergie non plus. Voilà, donc cette vidéo va se terminer. Sur ce, j'espère qu'encore qu'elle vous aura plu. Voilà, donc je reviendrai très prochainement avec mon mari, cette fois-ci. Enfin, je l'espère. Vous faire un petit concours pour mes 5 ans, pour fêter mes 5 ans, voilà, que je suis sur YouTube, hein, que j'ai créé ma chaîne. Et donc, sur ce, protégez-vous, faites attention à vous, portez le masque, hein, voilà, malgré ben, que les distances sont... mais faites attention, parce que c'est pas dit que, voilà, on risque d'avoir un autre confinement, et comme ci, et comme ça, et patati, et patata, et rebelote. Bref, j'espère qu'un jour on en finira, que les boîtes de nuit pourront réouvrir, les cinémas, etc. Ils disent que les restaurants vont réouvrir, enfin, ça, je ne sais pas. Ils disent toujours ceci, ils disent toujours cela, puis au final, ben, il n'y a rien. Voilà, tout augmente. Voilà, le gaz a augmenté de plus belle. Voilà, tout est dans les normes. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous. Voilà, chopez-les, je vous envoie ce cœur. Et puis, on se dit pour une prochaine vidéo en ma compagnie. Bye bye, faites attention à vous.